Salut, c'est Seb. Bon, de retour en vidéo. Comme tu peux voir, le cadre a changé. On est perdu au milieu des arbres avec Nico et Gaëtan. On est toujours à Puerto Escondido, mais voilà, on a déménagé là le temps de la dernière semaine, en tout cas des dernières deux semaines où on va tous être ensemble à Puerto. Tout le monde va rentrer de manière un petit peu séparée. Et à cette occasion, j'ai envie de te parler du coup de ce que j'avais commencé à te parler sur les dernières vidéos, du workshop Business Hacker qui va se dérouler le 24, 25, 26 septembre 2018 à Aix-en-Provence. Objectif du workshop, c'est quoi? Peu importe le business dans lequel tu es, ça va être de te permettre de pouvoir trouver rapidement des clients pour vendre tes produits sur internet grâce aux réseaux sociaux, et ça sans avoir beaucoup besoin d'investir. Le but, on va diviser ça du coup sur 3 jours, ça va être 3 journées entières où on va taffer, tu vois ce que je veux dire, ensemble sur différentes thématiques. Le premier jour, on va attaquer la partie offre. On va voir en clair comment tu peux générer, en tout cas prototyper, des offres qui se vendent comme des types 1. Quand j'entends, je te dis des offres qui se vendent comme des types 1, c'est tout simplement des offres en fait qui apportent une solution différenciante à un problème que rencontrent tes clients, sur lesquels tu n'as pas forcément besoin de faire beaucoup d'efforts marketing. Je vais prendre la métaphore à la con du verre d'eau dans le désert. Tu n'as pas besoin de faire des campagnes Facebook, du retargeting et tout le bordel pour rendre un verre d'eau dans le désert, parce que tu es le seul à vendre un verre d'eau dans le désert et que les gens dans le désert, ils crèvent de soif. Bref, t'as compris un petit peu le truc. Pour ça, on va voir différentes méthodes. On va voir la méthode d'alignement business avec l'Ikigai. On va voir vraiment creuser un petit peu sur ce qu'est la notion de personas, comment rentrer dans la tête de ses clients, comment remplir une carte d'empathie. Bref, tu vas voir. Le but, c'est de te montrer un petit peu comment tu peux répondre à cette formule-là, qui est la formule un petit peu magique d'un business. C'est que ton business, il est fonction de 3 choses. Des personas, donc de ton profil de client type, des problèmes qu'ils rencontrent et de la solution que toi, tu leur proposes. Et c'est ces 3 variables-là qui font qu'un business, du coup, peut être rentable. Et tu vas voir que monter un business ou monter une nouvelle offre, au final, c'est super simple et ça demande pas beaucoup d'efforts. Ça demande juste d'avoir une méthode à appliquer et différents tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Dans le deuxième jour du workshop, là pour le coup, on va rentrer une fois qu'on a prototypé une méthode ou plus ou moins un business. On va voir du coup comment tu vas pouvoir utiliser les réseaux, alors notamment Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, bref, Tumblr et YouTube en clair, pour aller alors trouver des personnes qui ont besoin de cette offre-là. Parce que je vais te montrer comment on peut profiler les comportements, je vais te montrer comment on peut analyser la concurrence, pour te montrer comment, tu vois ce que je veux dire, on peut faire de l'immersion, en fait, de l'inspection de groupes et de données. Tout ça pour en fait arriver à construire, si tu veux, des ciblages. Le ciblage, c'est quoi? C'est juste, en fait, on va utiliser des campagnes sur Facebook, des campagnes sur Instagram, des campagnes sur YouTube. Tu vas avoir des campagnes qui vont pas demander, comme on voit dans les vidéos, de mettre 100 € par jour, des choses comme ça. Là, je te parle d'avoir un budget médian en gros de 50 $ par mois, parce qu'on va juste mettre en place une stratégie qui va être globale et qui va nous permettre exactement d'aller chercher le type de clients, en fait, qui ont vraiment besoin de l'offre qu'on a prototypée la veille pour leur vendre ton produit, en fait. Tu vas voir, c'est une stratégie qui est globale. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Donc là, ça va être vraiment centré. Voilà, analyse de données, ça va être centré du coup campagne Facebook, et je vais aussi donner plein de stratégies de growth hacking pour aller vendre ce qu'on appelle à la main, tu vois, sans avoir besoin de campagne ni rien. Ben voilà, sur Pinterest, trouver les personnes, sur Instagram, trouver les personnes pour leur vendre directement avec un lien, si tu veux, ton produit. Et ça, à la limite, même sans que tu aies un shop, même sans que tu aies un nouveau site, rien que tu vas voir avec une page Facebook, on peut le faire. Il y a plein de trucs qui nous permettent de le faire. Et le troisième jour, on va conclure du coup ce workshop sur, une fois qu'on a fait ça, on va voir comment on peut utiliser du coup, alors là, c'est les bots sur Facebook, c'est les bots sur Instagram, c'est les outils d'automatisation. On va voir comment tu vas pouvoir automatiser ta communication, automatiser ta prospection, automatiser ta relation client. Concrètement, comment tu vas pouvoir en faire là, en fait, comme si tu avais quelqu'un, des commerciaux qui faisaient la prospection, que tu avais un community manager qui animait ta communauté, que tu avais une équipe de designers ou de producteurs de contenu qui faisaient tes contenus, ben là, en fait, tout ça, on va en avoir besoin. On va juste mettre en place des outils, on va juste mettre en place des process, on va juste utiliser certains services. Donc, on va, en fait, tu veux hacker l'usage pour te mettre un système qui te permettre en clair de piloter tout ton business de manière automatique pour te concentrer uniquement sur ce qui est vraiment ton business, c'est-à-dire ton corps de métier, peu importe si c'est trouver des produits, si c'est vendre tes prestations, en tout cas proposer des formations, ou si c'est bref, peu importe, tu vois, mais toutes les tâches qui peuvent être automatisables, comme la prospection, comme la relation client, comme la fidélisation, tu vois ce que je veux dire, comme la publication de contenu, comme la recherche de contenu à publier, tous ces trucs là qui sont un petit peu chronophages. Et vu que tu es seul, tu n'as pas le temps de tout faire, ça on va les automatiser grâce aux bots, intelligence artificielle. Tu verras, c'est la partie un petit peu technique et geek, mais tu vas voir, ça va avoir un super impact, parce qu'en fait tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs que peut-être que tu mettais 2 heures à faire, ou tu pensais que ça allait être un temps fou, et au final qui sont complètement automatisables, et tu n'as pas besoin d'avoir des compétences techniques pour le faire.
Voilà en gros pour le descriptif un petit peu du workshop. Bah voilà, comme tu sais, c'est mode un petit peu 400 coups multiplicatif. Enfin bref, tu connais ce truc. C'est en mode à la cool, mais par contre, voilà, on va taffer. Le but, c'est d'apprendre des trucs qui sont un petit peu justement innovants, des choses dont on n'a pas forcément parlé sur des vidéos. Là, on va vraiment taffer sur le truc. Et le but, c'est que voilà, à la fin de chaque journée, t'es délivrable. À la fin des 3 jours, bah déjà, t'as un système global pour que tu puisses commencer à utiliser. Et après, tu pourras aller voir, tu verras. Après, j'ai mis différents tarifs sur les workshops. Tu peux prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours. Si tu prends le forfait de 3 jours, en plus de ça, je te mets 3 formations qui sont gratuites, qui sont faites des formations qui, en clair vidéo, des nouvelles formations qui parlent un petit peu de justement des thématiques qu'on va aborder. Donc ça va te permettre de prolonger, si tu veux, ton apprentissage après le workshop dessus, quoi. Donc voilà, en tout cas, si ça t'a tenté un petit peu l'expérience, tu vois, ce qu'on fait chez Multiplicity, notre manière de voir le business un petit peu, voilà, en mode pirate, en mode hacker, en mode un petit peu créatif. Ou en tout cas, si t'as la volonté de sortir des sentiers battus pour développer ton business, ça peut être déjà une première expérience, voilà, sur notre méthode d'apprentissage. Donc, n'hésite pas, il y a un lien dessus, tu me dis si t'es intéressé. Et on se retrouve, du coup, fin septembre à Aix, sur le soleil de la France dessus. Et je te dis donc à très vite. Salut!